m'a l'air un petit peu trop simple. Baissez vos armes, inutile de leur foutre la trouille. J'ai le contremaître de la raffinerie en visuel. On va voir ce qu'il va nous raconter. Qu'est-ce que c'est? Ken Chilingaro, c'est tout. On vient remettre un message. Arrêtez de traiter avec le cartel. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Vous le savez très bien. Vous approvisionnez la Santa Blanca en précurseur. On veut que vous arrêtiez. Si la Santa Blanca n'a pas ce qu'elle veut, elle peut nous faire mettre la clé sous la porte. Et ça, pas question, tu comprends? Ouais, c'est vous qui comprenez pas. Si vous n'arrêtez pas de fournir le cartel, on s'occupe de fermer vos dériques. Je vous emmerde, gringos. Ce type est plus entêté que le général MacArthur. Il va falloir employer la manière forte. On va faire un tour du côté des dériques. Suaves y con carácter. Tabaco fino tostado a la mano. Ouh, je suis sûr que ça va partir là. Ça va partir là, c'est bien. Drone actif. Ennemi repéré. Je me mets en position. J'envoie un. Voilà un Dédéric. Faites-le sauter. Il me faut une meilleure position. Ok, je me déplace. Cible marquée. À ton signal. T'as eu ? Je crois qu'on les a bien fait flipper. Ah, pourquoi tu l'as pas tué, lui ? On s'est fait repérer. C'est passé tout près. RAS, allez, on avance. S'excitent dans leur coin, on dirait. No están en nuestro alcance. Manden una pinche patrulla para atraparlos. Aguante, cabrones. Hay una patrulla que va de ustedes. En plein d'autres qui répliquent. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo. Ils se plantent de direction. Un sicario, il se trappe juste à côté du conteneur. J'ai amorcé le C4. On va pas faire exploser un d'Eric et puis les autres, hein, on va tout faire péter en même temps. On arrive à 10 cibles. Contrôlez vos cibles, on a des civils sur zone. Je rejoins la position. Ok, mobile vers la position. J'ai aligné la cible. J'ai la cible en visu. Je désigne un capitaine. Je l'ai eu. Je désigne un ennemi. Il a des civils à côté de lui. C'est bon, y a pas de casse.
Cible désignée, mais attention aux civils à côté. Charge posée et amorcée. La charge est amorcée. On a un hélico en approche. Charge posée et amorcée. Attention ennemi dans la zone. Là, deux porte-flingues du cartel. Je les vois nulle part. Près de la camionnette du cartel. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Ennemi désigné, par contre, il est un peu près des civils. Je me mets en position. Je rejoins un poste bien sûr. J'y vais. Cible marquée. Reçu. Cible marquée. Prêt à tirer. Tiré. Là, on les a énervés. Ils savent qu'on est là. C'est bon, il n'y a pas de casse. J'ai amorcé le C4. T'avais pas vu? C'est bon, tout le monde va bien? La charge est amorcée. Bon, logiquement, ça devrait être bon. Putain, tu déconnes ! On n'est pas là pour tuer les civils ! Ah bah, ils avaient qu'à pas être là, hein. Pas déconner non plus. Et... Une alarme ? Ça, je l'ai pas vu, moi. Ah oui, oh putain, elle était juste devant, en fait. C'était la dernière alarme. Là, au moins, on est sûr de pas se taper des renforts. Trop voyante. Un hélico qui arrive. C'est le dernier d'Eric. C'est parti pour le feu de joie. J'ai repéré un capitaine. Le drone a décollé. Je vois que dalle. Mon drone est brouillé. Le brouilleur est pile devant moi. J'essaie de lancer quand même un drone. Hein. J'ai une cible. Hélico de l'Unidad en approche, planquez-vous. Je vois un sicario, à côté du camion. Ennemi numéro 3. Soldat de l'Unidad, là, près du conteneur.
Je désigne une cible. Attention au civil à côté. Je vais me trouver une ligne de tir. Cible repérée, quand tu veux. Je suis discret. J'engage. C'est passé tout près. J'ai amorcé le C4. Charge est amorcée. Charge posée et amorcée. Charge, joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. Charge posée et amorcée. J'ai amorcé le C4. C'était le dernier d'Eric. On devrait rendre une petite visite au contremaître de Via Vegas pour voir si on peut le convaincre de lâcher le cartel. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des infos ? Le camp, gringos. Je vous l'ai déjà dit, la réponse est non. Il y a du nouveau. La Santa Blanca a promis de protéger vous, Derek. Elle a échoué. Le marché est nul et non avenu. Si j'arrête d'approvisionner le cartel, ma boîte est foutue. Et si vous continuez à importer des précurseurs pour la Santa Blanca, je ferai sauter tous les Derek Via Vegas jusqu'au dernier. À vous de voir. C'est quoi ce choix, putain ? Toi alors, putain, tu vaux pas mieux que le cartel ? Vous occupez pas de moi. Occupez-vous de faire le bon choix. Le bon choix ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Comme si j'en avais un, de choix. Mais quand les sicarios du cartel viendront, t'auras ma mort sur la conscience. Ça, c'est mon affaire. Il a un petit peu le mafieux italien, avec le costume et tout. On va atterrir sur le terrain de foot. Au marché des sorcières. El Mercado de las Brujas. On peut acheter des talismans, des filtres d'amour, et même des mauvais sorts pour tes ennemis. Tu te fous de ma gueule ? Faites bien attention. Si nos intels disent vrai, Jensen est quelque part dans le coin. Qu'est-ce qu'un type comme Jensen peut bien venir foutre dans ce genre d'endroit ? Je sais pas, mais sûrement rien de bon. Mais c'est un piège, ça.
Surveillez Jensen, il nous le faut vivant. Essayer de m'approcher par derrière parce que si jamais il court, il se peut que je sois dans la merde. Lâchez-moi, je suis juste un scientifique. Main en l'air. Montre-moi tes mains, tout de suite. Bande de fascistes. Vous n'avez pas le droit, je suis citoyen américain. Reste où t'es, main sur la nuque. Me force pas à me répéter. Ah ouais? Sinon quoi? Double feu. Merde, Jensen se fait la malle. T'es mal barré, le plan soir, rouille! Quoi? Oui, il était où le gars? Bon, quand vous voulez, les gars. Eh ben, faut pas être pressé. Une seconde. On a un blessé. Un des nôtres a morflé. Ah, mais il bouge plus. Ok, je t'ai vu toi. Position. Putain, mais lâche-moi, coéquipier à terre, coéquipier à terre. Tiens, il est mort. Ok, donne-moi deux secondes et je suis là. L'hélico est détruit. Et le mien avec. Pas l'avoir. Ils vont droit sur nous. Et merde, coéquipier à terre. T'en as mis du temps. Mais... Il est tellement invulnérable. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Un sniper, à terre, plein ventre, un hélico.
cible marquée. J'ai perdu le visuel. Merde. Alors que je redescende pour les buter. T'as croisé personne ? Ils sont de moi en plus. Ils arrivent. On fait quoi, chef ? Bah, faut les buter pendant que tu montes. Et sinon ? Non, t'as croisé personne, toi, tu t'en fous. Sniper. Cible repérée, quand tu veux. Un hélico, tous à terre. Non. On y est presque. Merci. À moi. Petit bâtard. Il y a des bons muscu et tout. Ouais, reste à terre, hein. Reste à terre. Moi. Mais lâche-moi, putain ! Tu recommences ça, je te colle une balle dans les deux jambes. T'as compris ? Maintenant ferme-la et avance. Allez, on a un hélico juste là. Allez, vas-y.
n'importe quoi. Vous pouvez pas arrêter quelqu'un juste parce qu'il va au marché. Épargne ta salive, Jensen. On sait tout sur toi, le cartel. Y a juste un truc que je comprends pas. T'es un scientifique. Alors qu'est-ce que tu foutais dans un endroit comme le marché des sorcières? Pour transformer la cocaïne, les solvants et les réactifs ne font pas tout. Pas chez moi, en tout cas. Certaines des poudres de ce marché accélèrent le processus et rendent le résultat plus puissant. Ah ouais? Du genre? Du genre va chier. Je vais pas te révéler mes secrets professionnels. Lâchez-moi, je suis juste un scientifique! Allez. Vous n'avez pas le droit, vous m'entendez? Vous n'avez aucun pouvoir officiel ici, et d'ailleurs, quand bien même, je suis citoyen américain avec un visa de travail en règle. Tu contribues à la production illégale d'un produit stupéfiant. Un produit stupéfiant qui alimente les comptes d'un gang de violeurs et d'assassins. Ça ne me regarde pas. Je ne braque un flingue sur la tempe de personne. Je ne force personne à consommer de la drogue. Chacun fait ses propres choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, je vous signale. Très bien. Sors-moi ce crétin de là et colle-lui une balle. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est vrai, Marcus. On n'a aucun pouvoir officiel en Bolivie. Donc je vais faire usage de ce qu'on appelle le libre arbitre en chargeant mon associé de t'exploser la cervelle. Non, attendez! T'as quelque chose à nous dire? On peut trouver un terrain d'entente, non? Oui, bien sûr. Tu me dis ce que je veux savoir et on t'explose pas ta sale gueule de sociopathe. Putain. Ok. D'accord. Je vais vous dire ce que vous voulez. C'est tout ce que je demande. Ici Baumann. Tout votre travail de sap sur le réseau de production du cartel vient de porter ses fruits. Raconte. En forçant la Gringa et El Yayo à renier sur la pureté de leur cocaïne, les prix se sont effondrés, et la réputation du cartel avec. Trop dur leur vie, et nous, on y gagne quoi? On tient la Gringa, mais Sueño a toujours besoin d'un bouc émissaire. Yayo gère la production depuis chez lui sous bonne garde. Amenez-le à un point d'extraction. Attendez-vous à une forte résistance. Apparemment, les gardes ont reçu l'ordre de tuer El Yayo s'il tente de s'échapper. Bien compris. Ça, c'est de la villa. Hein. C'est sa maison. La plaga tente le tout pour le tout. Autant le buter maintenant, ce sera toujours ça de fait. Avancer rapidement, mais sans forcer. Un sicario avec un PM, là, dans l'hacienda. Il me semble que je me souviens. Alors. Mais attention aux civils à côté. Ennemi désigné, par contre, il est à peu près des civils.
Dos Sicarios. Tu les situes où? La Hacienda, à l'intérieur. Là, deux porte-flingues du cartel. Fais voir où ils sont. Devant la Hacienda. Bien sûr, la bière est la bonne parole. Bien sûr, mobile. Ok, mobile vers la position. Une alarme. Je rejoins une meilleure position de tir. Escouade okay, du cartel sur zone. Reçu devant la cible marquée. Ouais, c'est bon. J'ai perdu la cible. Cible abattue. Contrôlez vos cibles. Ça grouille de civils dans le coin. On s'est fait repérer. Bien sûr qu'on s'est fait repérer. Ah bien. C'est bon, tout le monde va bien. Donc il n'y a plus d'ennemis. Il me semble que c'était dans le sous-sol. Je me trompe ou ça sent le shit? Je dirais plutôt le crack. On dira ce qu'on veut de la plaga, mais ça au moins c'est de la soirée d'adieu. Hola. Et là où j'ai mis les mines, normalement je crois que c'est là où il va essayer de sortir en trombe avec une bagnole. J'ai la plaga en visuel. On va se le faire. J'ai trouvé un tunnel. J'entends des bruits de moteur. Leur lieutenant Stey. Frag lancé. Ok, de ce côté. Ah non. C'est vrai. C'est un autre tunnel qui prend. Qui se passe la malle, c'est compris? Non. Vite. Il est où? Il est là. Partez, je vous rejoins. On arrive à la fin du tunnel et à la fin du voyage pour la plaga. S'il se met à nous tirer dessus, vous l'abattez sans sommation. Donc toi. Au point de contrôle. Merde, j'ouvre le feu. Merde.
Allez, boum. Désolé, Uba. Ça aurait pu marcher. Ça va, Juju? La plaga est mort. Je répète, on a éliminé la peste. C'est qu'une question de temps avant qu'Elmuro apprenne la mort de son petit frère. Avec un peu de chance. Sup, tu peux rembourser Juju, s'il te plaît? Nomade, ça bouge pas mal du côté de la Santa Blanca. Figure-toi qu'Elmuro et El Sueño sont en guerre. Parce que Sueño a chargé Muro de buter son propre frère? Après ça, Muro a payé l'Unidad pour plomber Sueño. Et ça s'est pas bien passé? Pas franchement, non. Du coup, on fait quoi? On laisse ces deux guignols s'entretuer? Si seulement. Le problème, c'est que Muro est l'une de nos rares chances de serrer Sueño. Ils étaient meilleurs potes depuis l'enfance. On doit savoir tout ce qu'il sait. Compris. On chope Elmuro avant que l'Unidad l'exfiltre de Bolivie ou que Sueño le tue. Cet épisode se termine, merci de l'avoir visionné, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.